Hi guys, Ellie from France here. Today I want to do something a little bit different. It makes me a little nervous because I want to film just a chit-chat video, but in French, which is my language. And I saw a comment a few weeks ago asking like if I could do videos in French. And of course I can because it's my language, but I just feel so weird doing my first video in French in my own language. I don't know, it's kind of, I need to not overthink, it's just different. So from now on, I'm just going to talk in French. I also didn't know if you want me to talk slowly or not, so I will just talk my normal speed. You can also slow down the video. There's like a little parameter thing where you can just slow down as much as you need if you want to learn a little bit of French. Bon. Eh bien, c'est parti. Du coup, j'ai commencé par mettre mes cheveux dans un élastique. J'ai mon petit panier avec tous les trucs que j'utilise tous les jours. Je passe souvent entre 5 à 6 minutes à la salle de bain et encore, c'est pas que du maquillage. Donc, on va dire que le maquillage, ça me prend 3 à 5 minutes max, max, max. Donc, je commence par utiliser de l'eau. C'est pas de l'eau micellaire, c'est de l'eau thermale. Je retrouvais plus le nom, c'est toujours la même que j'utilise depuis des années. C'est Uriage, des fois je prends Avène selon ce qui est en solde. Tout est en barre d'infos si ça t'intéresse. En soi, j'ai pas forcément envie de parler que de maquillage dans cette vidéo. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour moi et pour vous. Que je me présente un petit peu, enfin que je vous parle un peu de ma vie. Je sais pas si ça vous intéresse, mais on verra. Du coup, j'ai fini les études en septembre dernier, donc en septembre 2021. Et ça fait bizarre parce que depuis, ben, je suis à la recherche d'un emploi. Les entreprises recrutent, ça dépend des secteurs. Moi, je travaille dans le secteur de la pharmaceutique et de la santé, donc ça recrute plutôt bien. Mais souvent, quand c'est écrit que c'est un poste junior, ils vont prendre des personnes qui ont moins quelques années d'expérience, donc en soi, j'ai envie de te dire junior, mais avec d'expérience plus, à la limite du senior, donc ça fait un petit bout de temps que je cherche, mais on va dire que c'était pas de la recherche active tout le temps. J'ai fini en fait par un stage de 6 mois dans le cadre de mes études, et je suis partie un mois en Slovaquie voir ma famille. Je suis slovaque et française, je suis arrivée en France quand j'avais 2 ans. Donc j'ai quand même une grande partie de ma famille qui habite en Slovaquie. Je me suis dit on n'est pas un mois après et puis au final je pense que la famille c'est bien plus important que d'avoir un job. Je vais en trouver un, c'est juste une question de temps. Donc c'est ce que j'essaie de me dire même les jours où je suis hyper hyper stressée. Je regarde la caméra, enfin je regarde mon écran parce que le truc qui sort pas. Je pense qu'il y en a plus dedans, mais ça c'est la même BB crème de chez Herborian que j'utilise depuis des années. Elle est géniale, j'en ai une en stock bien évidemment, que j'ai acheté quand il y avait des soldes, je sais plus si c'est... Non, c'était pas Sephora, je l'ai acheté sur notino.fr. C'est un site internet où il y a vraiment plein de parfums, plein de cosmétiques à des prix beaucoup plus bas qu'en boutique. Donc je crois qu'en temps normal ça coûte dans les 40 € et j'ai dû l'avoir dans les 32. Donc il y a quand même une grosse différence, je vais aller me chercher le nouveau et je reviens tout de suite. Je suis de retour, du coup ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Donc moi je le mets juste comme ça. Et j'en mets pas sur le menton parce que du coup j'utilise en fait le surplus de mon visage que j'éponge en fait avec ça. Enfin bref, pour en revenir à ce que je disais, techniquement j'ai fini fin septembre, mais je me suis mise à la recherche d'emploi un mois plus tard, donc début novembre. J'ai cherché pendant tout le mois de novembre et la première semaine et demie de décembre. Après j'ai arrêté de chercher parce qu'en fait en France les gens ils sont en vacances dans leur tête à partir de mi-décembre, donc les recrutements ça avance pas vraiment en fait en décembre. J'ai repris début janvier, enfin la première semaine de janvier. Donc techniquement ça fait 2 mois que je suis vraiment en recherche active. En 2 mois j'ai à peu près répondu à on va dire 16-17 offres. J'ai envoyé environ 6 candidatures spontanées. J'ai eu 3 entretiens, 3 ou 4, je crois que c'est 3, qui se sont bien passés, dont un qui s'est pas très très bien passé. Mais c'est la vie. Donc je me dis que c'est une question de temps et je cherche du coup un métier dans le marketing pharmaceutique. À part ça, aujourd'hui j'ai décidé de filmer quelques vidéos YouTube parce qu'en vrai j'ai du mal en fait à me mettre dans le truc, à faire que du montage et tourner des vidéos parce qu'en fait c'est hyper chronophage.
Et quand je fais autre chose que de la recherche d'emploi, et ben je culpabilise. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ben, là, moi, ce que je suis censée faire à 100%, c'est de la recherche d'emploi, mais c'est pas vraiment bien de penser comme ça. En fait, il faut trouver un juste milieu et c'est très compliqué, sachant qu'on est toujours en pleine crise Covid. Donc en fait, on peut sortir, mais il y a énormément de cas Covid en France. J'essaie de trouver un juste milieu entre travailler au moins 4 heures par jour sur mes candidatures. J'ai repris un petit peu le sport, donc j'essaie de faire du sport. Et en vrai, ça me fait beaucoup de bien. C'est juste que je suis très très courbaturée parce que j'ai aucune endurance et mon corps, il comprend pas ce qui se passe après 2 ans. Oula. Quand après 2 ans, je demande à mon corps de faire une petite activité physique. Mais ça me fait du bien. J'essaie d'aller marcher aussi, ça me fait énormément de bien de prendre l'air. Mais là, quand je regarde le temps, c'est juste dégueulasse. Ça donne pas envie de sortir, je crois qu'il fait moins 1. Et là, t'es sûrement en train de te dire, Ellie, mais arrête d'estomper là, t'estompes depuis, depuis 6 minutes ton truc. Et du coup, pour en revenir au fait de trouver un équilibre entre la recherche d'emploi et le reste, c'est-à-dire faire du sport, voir ses amis. Je pense que le plus important, et ce que j'ai appris depuis que je suis en recherche d'emploi, c'est d'arrêter de culpabiliser. C'est très difficile hein, parce que des fois j'ai l'impression de devoir tout le temps aider à mon ordinateur comme un petit rat de bibliothèque à chercher, mais au final, au bout d'un moment, tu perds juste le courage et puis en fait ça donne même plus envie. Donc j'essaie de pas être dégoûtée de ça, j'essaie de me dire ok. Moi, comment je fonctionne le mieux, c'est que le matin je me réveille, que je garde un rythme, donc je m'habille, des fois je me maquille, des fois je maquille pas, je fais mon petit déj, je me regarde une ou deux vidéos YouTube, et après, en revanche, je travaille environ 3-4 heures sur mes candidatures, que ce soit en spontané ou en répondant à des offres. Je regarde mes mails pour voir s'il n'y a pas de bonnes nouvelles entre temps. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais soit manger le midi, soit faire une séance de sport ou aller me promener, ou faire des petites courses, ou bien cuisiner. Mais souvent, si je vois des amis, je les vois après 17h. En fait, j'essaie de garder un espèce de créneau comme si je travaillais. Donc entre 8h et 17h, très rares sont les fois où je vois des gens. Je vois souvent personne avant 17h. En fait, il faut se forcer à sortir. Il faut se forcer que ce soit à aller se promener, ou à aller faire un peu les magasins, ou peu importe. Il faut se forcer parce que t'en as pas forcément envie quand tu vois le temps comme ça et qu'il fait moins 1 dehors et qu'il fait hyper nuageux ou qu'il pleuve, t'as pas forcément envie de sortir. Donc trouve des choses pour te faire sortir, soit te dire bon d'accord, bah une fois par semaine, même si t'as pas d'argent parce que t'as pas de revenus et t'as pas de chômage, moi tu dis ok, et ben je peux quand même m'accorder, je sais pas, un café par semaine. Tu sors, tu dis ok, ton but c'est de sortir de chez toi, aller jusqu'au café, te prendre un café et après tu te sens bien. Ou alors moi ce que je fais, c'est que je me trouve un podcast d'environ 49 minutes, 1 heure avant de sortir, et du temps que le podcast n'est pas fini, bah je reste en balade, tu vois. Donc là je vais mettre un petit peu de fard à paupières. Je me souviens même pas la dernière fois où j'ai mis du fard à paupières, c'était l'année dernière, et je me maquille pas beaucoup les yeux au fard à paupières en général. Mais ce que je vais faire, c'est que je mets ça un peu grossièrement. Il y a un truc que je tiens à voir que je trouve génial, c'est un gel de maquillage. Et ça par exemple, je l'utilise aussi bien sur les yeux que en mélangeant un petit peu avec de la vaseline et en highlighter. Je sais même plus ce que je disais, on parlait de la recherche d'emploi, de l'équilibre. Ah oui, parlons un peu du stress. Moi je suis quelqu'un de très stressé de nature. Et du coup, je savais pas du tout comment j'allais appréhender en fait la recherche d'emploi. Je me suis dit, bon, sachant que je suis très organisée mais stressée, que ça va bien se passer. Je vais peut-être stresser certaines fois, mais que ça va aller parce que je vais m'organiser, je vais bien faire mes journées et tout. Mais honnêtement, il y a des jours en recherche d'emploi, c'est très compliqué. J'ai pas le moral, j'ai l'impression que je vais jamais trouver d'emploi. J'ai l'impression que je vais finir fauchée parce que j'ai presque pleuré sur mon compte. En fait, t'as vraiment des hauts et des bas. Quand t'es vraiment en bas, il faut trouver quelqu'un, que ce soit ton copain si t'en as un, une amie, ta famille. Il faut vraiment trouver des personnes qui t'entourent et qui vont venir te motiver. Parce qu'il y a des jours, j'ai vraiment besoin d'entendre, et ben si t'inquiète pas, envoie encore une candidature, tu vas trouver un emploi. Parce que des fois, j'ai juste l'impression que bah, j'ai tout donné et que je vais pas y arriver, ou pas trouver un truc qui va me plaire, ou alors que ça va être dans 10 ans. Alors que pas du tout. Bon, là avec le Covid, on va dire que la situation est beaucoup plus compliquée. Mon copain a cherché un emploi pendant 8 mois l'année dernière. Et pour revenir au stress, il faut essayer de trouver des activités qui te permettent d'extérioriser ton stress. Donc je me suis mis un peu au sport, ça me fait beaucoup de bien au moral parce que je me sens juste capable. Je me sens capable de faire des choses,
Et je me dis, bon, bah, je suis pas totalement une loser, quoi. C'est pas parce que j'ai pas trouvé un emploi maintenant que je vais pas trouver. Donc, c'est une petite source de motivation extérieure à la recherche d'emploi. J'essaie de prendre soin de moi comme je peux, que ce soit en m'habillant, des fois en maquillant, des fois en sortant bien habillée, aller voir mes amis. Ou alors, tout simplement, en faisant un bon truc à manger, j'essaie de manger correctement. Parce que quand on est toujours dans son appart, et moi en l'occurrence j'habite dans un 20 mètres carrés, si je m'écoutais, je mangerais tout le temps. Parce que la cuisine elle est juste là, mon lit est juste là, et la table est juste là. Donc techniquement c'est ma table, mon bureau, mon salon, c'est tout en même temps. Donc j'essaye de me dire, ok, souvent je prends mon petit déj entre 8 et 9 heures, une heure plus tard ou une heure et demie plus tard je mange quelques fruits, donc là ce midi c'est des clémentines, enfin ce midi. Parce que oui, il est un peu plus tard, mais mon snack, c'est des clémentines et des pommes aujourd'hui. Après, je prends souvent genre un café. Et quand j'ai fini souvent mes 4 heures, 5 heures de travail, là, je vais me faire à manger. Et après, je vais aller me promener, ou alors je vais me promener et après, je me fais un repas. Et je grignote une fois un espèce de snack l'après-midi. Et après, je mange le soir. Mais j'essaie de pas manger constamment. Ce que je vais faire, c'est que je vais recourber mes cils. Je vais me faire les sourcils. Et après, je vais mettre un peu de blush et j'ai fini. Ah, et j'ai oublié de mettre ma crème solaire. Mais d'habitude, je le fais tout le temps quand je sors. Mais aujourd'hui, je sais même pas si je vais sortir, j'en ai pas trop envie. Et dans cette bébé crème que j'utilise, il y a un SPF 20. Donc c'est correct hein, pour ce qui passe à travers la fenêtre. Voilà, ça va pas causer de problème. Si vous aussi vous êtes en recherche d'emploi ou que vous êtes jeune diplômé comme moi, j'adorerais que vous me laissiez un commentaire pour me dire comment vous allez, comment vous vivez votre recherche d'emploi, est-ce que c'est difficile, est-ce que vous avez trouvé, combien de temps ça vous a pris, si vous habitez en France aussi, faites-le moi savoir, enfin, je trouve ça trop cool de savoir qu'il y a des gens qui habitent en France qui regardent mes vidéos aussi, hein. C'est pas parce que je les fais en anglais... Faut pas me dire ouais moi je suis de Lyon, moi je suis de Paris. Je trouve ça vraiment toujours sympa. Et du coup je me demande de quel pays les gens regardent mes vidéos. Le plus souvent c'est les États-Unis, l'Inde, le Canada, le Royaume-Uni. Et la France je l'ai vue mais du coup je sais pas trop combien de personnes regardent. Dites-moi aussi si vous voulez plus de vidéos en français, hein, c'est la première fois que je fais ça, ça me fait très bizarre. Mais c'est pas pour autant que c'est pas plaisant. Dites-moi tout ça en commentaire. Ce truc, c'est le meilleur baume à lèvres du monde. Mais je me demande quand même combien de temps ça prend à trouver un job pendant le Covid. Parce que je pense quand même que les délais sont rallongés, que les entreprises ne recrutent pas forcément autant, que les budgets, ils ont été changés à cause de ça. Et c'est surtout aussi que j'aimerais bien travailler dans une entreprise qui propose le télétravail, qui en ce moment est obligatoire, mais aussi quelques jours en entreprise. Je me vois pas travailler totalement de chez moi, j'ai besoin, en tout cas après quelques mois de chômage, de voir des gens, d'avoir des collègues. Honnêtement, d'un point de vue humain, c'est quand même cool. T'arrives le matin, tu prends ton café, tu pars avec tes collègues. Non, ça fait du bien. Et juste de t'habiller et de sortir de chez toi en ayant un but, je mets ça pour aller travailler, mes petits talons, et je vais au bureau, parce que ça c'est ton but, c'est d'aller au bureau. Ça fait du bien. Après avoir été pendant plusieurs mois en hug, honnêtement c'est pas plus mal. Donc voilà. Voilà, c'est fini. Du coup ça donne ça. C'est pas trop mal hein. Pour une fois que je me fais les yeux, ça me fait bizarre. Du coup oui, j'ai pas mis de mascara parce que j'en ai plus. Et j'ai dit que j'allais pas en racheter avant d'avoir trouvé un travail parce que c'est des dépenses inutiles. J'espère que cette vidéo en français ben, t'a plu. C'est pour moi très bizarre de parler ma propre langue en caméra. J'ai toujours fait des vidéos en anglais et je sais pas pourquoi je trouve ça plus naturel, ça passe mieux, j'arrive pas à expliquer. Mais c'est différent et puis des fois tenter des nouveaux trucs c'est pas plus mal. Donc si tu veux plus de vidéos en français, n'hésite pas aussi à me dire quel genre de vidéo tu veux voir, quel sujet est-ce que tu voudrais que j'aborde. Si t'es en recherche d'emploi, courage à toi. Si t'as trouvé, n'hésite pas à me dire combien de temps ça t'a pris et dans quelle ville t'habites et dans quel domaine t'as cherché. If you like this video and you have understood a little bit of French and you're learning, I hope it helped you. I just hope you liked it. And what I was saying is that if you want more videos in French, please let me know because it is very weird for me to speak my own language in front of a camera. I feel really stupid right now, but you know, you gotta try new things. So if you liked it, please just give it a thumbs up. I'm going to put all the links of all the products I have used and that I use every day down below. What else did I want to say? Yeah, I really want to do a Q&A in English pretty soon about
things in general. So if you have any questions you want to ask me, please let me know in the comments. And I'm also going to link my Instagram down there. So please, if you're interested, go follow. I'll see you in my next video. Salut!